Pendant l'adoration. Un fait de fort dans la présence du Seigneur, faites le sacrifice. Amen. De vous surpasser. Parce que si devant le Seigneur, vous ne vous arrêtez pas. Vous arrêtez. C'est ici on s'arrête, c'est ici on danse, c'est ici on saute. Amen. Amen. Dans le chant, quand tu es en train de chanter, il ne faut pas permettre que certaines soeurs restent assises. Amen. Il faut insister dessus. Si la personne ne veut pas, elle peut rentrer chez elle. Amen. Amen. Même si c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver. Amen. Et que l'adoration est en train de passer, que la personne est assise. Amen. On ne voit pas de maladie apparente. Alors, tu peux dire de s'élever. S'il refuse, tu le ramènes chez lui à la maison. Amen. Amen. Parce que nous, on sait ce qu'on est venu chercher ici. Ça passer, le jeu va se passer comme ça, c'est à toi que j'aurai à faire. Parce que c'est toi qui tiens l'autorité ici. C'est pas normal que tu tiens, te tiens ici et puis tous sont assis. Homme ou femme. Amen. La personne qui ne veut pas se soumettre, tu lui dis de rentrer chez lui. Amen. 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 Donc on va se tenir debout. On va lire quelques passages. L'écoute est très difficile sur le net. Les gens n'arrivent pas à entendre véritablement ce que nous disons. Moi-même, la prédication du dimanche s'est passée. Jusque aujourd'hui, je n'ai pas mis sur les lettres parce que quand j'écoute, je n'entends rien. J'écoute. Moi-même qui ai prêché, je sais de quoi j'ai parlé. J'ai du mal à entendre ce que je suis en train de dire. Amen. Donc ça me fait mal que de ne pas mettre ça sur les lettres parce que les gens ne vont rien saisir. Amen. Amen. Donc Amen. Les moyens Amen. Nous font beaucoup de défauts. Amen. Amen. On n'a pas de caméra pour filmer. Et de bons appareils pour donner un bon son. Amen. 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 Donc on fait les moyens de bon. Amen. Donc on va lire dans Esther. Amen. Amen. Esther chapitre 1, le verset, à partir du verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Amen. Et le roi d'Assuérus était alors assis Amen. Sur son trône royal, assis dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs. Je vais me forcer de parler un peu lentement, que ça soit saisi. Fut réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés,
Le roi fit tout pour tout le peuple du jardin de la maison. Amen. Des teintures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lys d'or et d'argent reposaient sur un parfait de porphyre et de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Amen. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Amen. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Ménumat les sept eunuques qui servaient devant le roi Assuérus d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Amen, amen. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par l'eunuque l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui les cinq princes, les princes de Médine. Et il leur pose la question, quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Ménuquin répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Amen. Et les femmes porteront à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en s'appelant la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce moment, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Amen. Amen. Donc, on va lire dans... Amen. Amen. On va aller dans Psaume chapitre 8, le verset 5 à 7. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que
Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Un dernier verset, dans Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Que le Seigneur ajoute cette bénédiction à la parole. On peut s'asseoir. Amen. Cette prédication aura peut-être suite des volets. Donc on va voir comment Dieu va orienter la chose. Amen, amen. 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 Aujourd'hui, j'ai fait un songe. Amen. Et le songe là, j'étais au salon. Amen. Et j'ai vu Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu qui était arrêté au salon. Amen. Au milieu des fauteuils là, où il y a la télé, il était arrêté là. Amen. Et au bout d'un instant, amen, il n'était plus là. Amen. Et au bout d'un instant, il y a un autre être qui est sorti, c'était Satan. Satan s'était arrêté là, mais il était décalé un peu parce qu'il savait que la maison est carrelée. Amen. Donc là où l'ange du Seigneur, Dieu, passait dans le son, c'était Dieu. Amen. Qui était arrêté là, amen, dans le carreau, le périmètre, il était là. Amen. Était là, et quand il a disparu, Satan est sorti dans un autre carreau. Amen. Donc pas à la même place, mais toujours au milieu du salon, là où se trouve la télé. Amen. Donc, quand Satan est sorti, il était aussi arrêté aussi. Même chose, comme façon, Dieu était arrêté. Amen. Alors, si je me souviens bien, Messie est parti vers Satan. Amen. Et il a commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Et Satan était toujours arrêté. Amen. Rien ne l'effrayait. Et je suis parti vers Satan moi-même. Amen. J'ai commencé à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Satan était toujours arrêté, comme si rien ne l'effrayait. Amen. Mais j'ai insisté et il a disparu. Amen. Deux êtres sont sortis dans le salon. Amen. Là où j'ai l'habitude de m'asseoir. Amen. Amen. Là où toute ma journée se passe. Amen. Au milieu du salon. Amen. Dieu d'abord. Amen. Et après Satan. Amen. Dieu là, lui, on l'a regardé puisque c'est un ami. C'est juste, mais quand Satan est sorti, on devait le faire quitter. Amen. Alors c'est Messie qui est parti d'abord. Amen. 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 Donc vous savez que peut-être que amen, c'est un combat. Peut-être aussi que ce n'est pas un combat, amen, mais c'est Satan qui vient nous regarder aussi, amen, comme il a regardé Branham. Amen, amen. Il était arrêté dans la chambre de Branham et puis il le regardait. Amen. Mais comme Branham, c'est un prophète, il n'est pas parti pour le lier. Amen, amen. Il savait que Satan est là pour l'admirer. Amen. Mais moi, j'ai vu Satan en même temps, comme Messie est parti. Amen. Et je m'en vais continuer l'acte de Messie. Amen. Or, peut-être que Satan est venu pour obéir à son maître. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. 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 Amen.
Parce que vous avez prêché ici que Satan doit aller sur vous, vous rendre visite. Vous arrêtez, puis vous regardez. Amen, amen. Ce qu'il a fait à Abraham, il doit faire chacun de vous. Amen. 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 Il va dire que mais ce monsieur-là, il est qui? Amen. Mais avant qu'il apparaisse, j'ai vu tuer d'abord. Amen. C'est pour montrer que ce n'est pas une présence simple de Satan. Amen. Satan sort dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, je disais, ce message ira peut-être un peu long parce qu'il aura deux volets. Amen. Voilà. Et que nous venons de traverser un moment politique. Amen. Qui est fini hier. Amen. Et les gens aiment beaucoup la politique. Les gens ne viennent pas à l'église, mais les rendez-vous politiques, ils sont là. C'est juste. Amen, amen. 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 Les gens n'ont pas d'onction dans l'église. C'est juste. Amen. Mais les rendez-vous politiques, ils ont onction. Amen, amen. Amen. Hier, quand ils ont annoncé le résultat, ma fille Arabe était dans la cuisine en train de préparer. Amen. Dès qu'elle a entendu bruit au dehors, paf! Amen. Je l'ai interpellé. Amen. Combien de reprises, mais ça ne pouvait pas entrer dans son corps. C'est juste. Amen. L'onction politique. C'est une puissance, hein? Amen. Amen. Tellement j'étais enflammé. Je suis sorti. Amen. J'allais la chercher sur Carrefour là. Amen. Parce que je voulais la. Pourquoi tu peux pas? Pendant ce que le mercredi, on a averti ici. Amen. Je ne savais même pas que l'élection était dans deux jours. Mais comme à chaque veille de l'élection, j'avertis le comportement que les gens doivent faire. Donc c'est venu de façon esthétique. Amen. Et je l'ai fait. Déjà, c'était dans deux à trois jours l'élection. J'étais à la maison et puis ça m'a surpris. Donc j'ai bien fait d'en parler le mercredi. Amen. Mais malgré ça, elle n'a pas pu être délivrée. Amen. L'onction politique. Amen. Quand elle est revenue, j'ai dit, je ne peux pas laisser ça cadeau. Amen. Je l'ai privé de nourriture. Amen. Pour tout, même qu'elle a pilé sauce, même qu'elle a préparé, dit qu'elle a mis au feu. Il ne doit pas manger ça aujourd'hui là. Amen, amen. Tu vas dormir sans ça. Amen. Et ne peux pas te laisser cadeau. Amen. Amen. La politique, c'est que au ciel. Il faut que je la fasse payer ça pour que Dieu n'ait rien à voir à elle. C'est juste. Amen. Amen. Mais si elle a dans l'ordre, c'est Dieu qui va agir. C'est juste. Amen, amen. Donc si Dieu vous soyez content. Amen, amen. Si je vous laisse faire là, c'est que je vous laisse dans la main de Dieu. C'est juste. Amen. Amen. Si quelqu'un fait quelque chose, je laisse faire, je laisse faire. C'est que je dis à Dieu, il faut faire ce que tu veux. C'est juste. Amen. Mais quand j'agis, c'est que je veux dire à Dieu, vous pouvez agir. Amen, 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 amen. Quand il dit ça, il ne peut pas laisser. Au ciel, Satan a ramassé la politique. Amen. C'était une grande puissance au ciel. Amen. Tellement intéressant. Quelqu'un seul ne doit pas avoir la prédominance dans la domination. On doit partager la domination. Amen. Dieu, c'est un dictateur. Amen. Satan avait raison. La ligne. Nous tous sommes des enfants de Dieu. Amen. Je connais une église dans le temps passé. Amen. C'est après je me suis imaginé que c'est les croyants de Branham aussi. Amen. Mais dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était les croyants de Branham. Amen. Un jour, il m'a invité, j'étais encore dans la déno. Amen. Donc, comme je ne pouvais pas partir, ben, l'église était loin. Amen. Donc, quand il m'a invité, je suis parti à leur église. Ils mettent les chaises en rondelle. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de guide. Chacun parle tour à tour. Amen, amen. Chacun tient son expérience tour à tour. Amen.
Ça, c'est la démocratie. Il ne doit pas avoir quelqu'un pour nous diriger. On est autonome, nous tous on connaît la Bible, nous tous on connaît les citations, nous tous on va écouter les bandes. C'est la politique qui est entrée dans le message. C'est l'esprit démoniaque, satanique. On est dans le message, il faut plus dire quelque chose à quelqu'un. Il faut dire ce que Branham a dit. Donc nous tous on a les bandes, on va écouter les bandes. On est même sur le même pied d'égalité parce que le prophète a dit que le messager parle, les laïcs, les fidèles ont la capacité d'entendre ce que le prophète a dit. Donc il ne faut plus interpréter parole pour donner à quelqu'un. Chacun a la capacité de comprendre ce que Branham veut dire. C'est ça qui est la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus un dictateur. On veut plus quelqu'un qui va dire voici ce que je pense. Et puis les gens vont accepter. On veut que chacun n'a qu'à avoir sa propre opinion. Amen. Si tu as écouté ce que tu as pensé, toi, c'est pour toi seul. Si ça t'envoie en enfer, c'est que t'envoie en enfer. Amen. Ça, c'est ce qui se passe dans les écoles. Là, où on dit faut plus qu'on va frapper les enfants. L'enfant dit, il fait ce qu'il veut. S'il a réussi, c'est ça. Il n'a pas réussi, c'est ça. Faut pas chicoter l'enfant. Amen. Donc chacun vient à l'église et il écoute les bancs. Ce qu'il a compris, c'est ça. S'il a compris que les sept honneurs sont révélés, c'est ça. S'il a compris que les sept honneurs ne sont pas révélés, c'est ça. S'il a compris que le Seigneur est déjà venu, c'est ça. S'il a compris que le Seigneur n'a pas encore venu, c'est ça. Chacun comprend à sa façon et puis il rentre comme ça. Chacun est maître de soi. Il est lié à un pasteur invisible qui est mort depuis 50 ans. Il est maître de lycée. Même quand il veut venir voir son pasteur, il va imposer à son pasteur comme il dit ce que Branham dit. En ce moment, je ne vais pas me poser question. Reste à la maison, tu prends ton portable, tu tapes le schéma, hein, la table. Tu prends ça, tu tapes la question que tu veux, ça soit tu lis. Ce que ça soit tu prends. Amen. C'est la politique de Satan, où il n'y a plus de gouverneur, où il n'y a plus de maître, où chacun peut s'élever, on dit c'est la démocratie. On peut insulter le chef de l'État, ça ne fait rien. On peut les critiquer, ça ne fait rien. On peut parler mal de lui dans les journaux, ça ne fait rien. On peut les déformer dans les images, ça ne fait rien. Ça, c'est la démocratie de Satan. On voit que c'est intéressant. Le chef de l'État et puis les gens le critiquent dans les journaux et puis on dit que c'est normal. Dites amen. Oh, c'est diabolique. Quand quelqu'un va critiquer son pasteur, il va dire que c'est normal. On va parler mal du pasteur, c'est normal. On va continuer à dire que c'est normal. Parce qu'on est même chose que la démocratie. Demain, je peux être là où il est là aujourd'hui. Bon, on est même chose. On peut faire ce qu'on veut. C'est diabolique. C'est l'enfer dans le message. Dites amen. Un chef d'État, c'est pour ça la politique, quand il met un chef d'État, le chef d'État qui est là, il vient pour bouffer, parce que demain, il sait qu'il ne sera plus là. Amen. 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 Mais la royauté que Dieu nous donne n'a rien à voir avec la politique du monde. Ça veut dire que c'est une famille qui gouverne. Tu veux, tu ne veux pas. C'est leur décision qui s'applique. Et il y a une autre race qui accepte tout ce que la famille royale décide. Ça, c'est que Satan ne voulait pas supporter au ciel. Parce que Dieu avait avec sa famille royale gouverner le ciel. Or, Satan aussi voulait gouverner. Il a gouverné 5 ans. L'année prochaine, tu as gouverné 5 ans. Amen. Tu as dit, je ne bâtis pas mon royaume sur la politique. Je bâtis mon royaume sur la dynastie. Si je ne suis pas là, c'est un de mes enfants qui est là. Amen. Ta mère. Amen. Et c'est quand je décide là. Il n'y a pas conseil des députés. Il n'y a pas conseil ministre.
Amen. Amen. Là-bas au ciel, si on veut voir que c'est la politique, Satan avait gagné. Et Satan avait gagné beaucoup de voix. Amen. Dieu avait gagné petit. Satan a gagné beaucoup. Donc si on veut voir dans la politique, c'est Satan qui a gagné. Mais Dieu dit, mon royaume ne fonctionne pas dans la majorité. Vitamine, ça fonctionne dans la minorité. Comme ça, tout ce qui se passe sur la terre, c'est diabolique, c'est satanique, amen. C'est l'enfer. Amen. 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 Donc, l'histoire d'Esther, ça commençait par une reine. On appelle Vasti. Le roi Assuérus. La Bible, il était assis sur son trône royal. Amen. Et il a appelé ses sept eunuques. Sept eunuques étaient en face de lui, ceux qui regardent en face du Seigneur. Amen. C'est ta mère. Amen. Les sept étoiles qui sont les sept anges qui regardent en face du Seigneur. Amen. Ce sont les sept eunuques. Voyez, allez appeler ma reine. Amen. Elle va venir ici. Amen. Hein? Amen. Pendant ces jours de fête, pendant ces jours de festin, le roi a montré tout ce qui est bon dans le royaume. Amen. Il a montré la beauté, la richesse, tout ce qui est bon. Il a montré ça à tous ses invités, Amen. À tous ses rois, à tous ses princes, à tous les gens qui étaient présents, à tout le peuple, tout le monde était émerveillé. Amen. Mais à la fin du festin, il avait réservé la chose la plus glorieuse. Amen. Dit Amen. C'était la princesse, c'était sa femme. Amen. Donc dans sa tête, tout ce qu'on était voir là, c'est petit. Là, ma femme qui est cachée, Amen. Je vais vous faire découvrir ça à la fin de la cérémonie. Dit Amen. Alors le jour-là, il est assis sur son fauteuil royal et il a envoyé ses. Il n'a pas envoyé une personne. Tellement qu'elle est précieuse. Il n'a pas envoyé une personne. Il a envoyé sept serviteurs. Sept ennemis. Vous êtes là. Alignez-vous. Allez appeler la reine au Vasti. Elle va venir couronner, coiffer la pyramide. Tout à l'heure, les sept jours de fête, elle n'a qu'à venir coiffer la pyramide maintenant. Amen. Vasti, on s'en va l'appeler. Vasti, tiens, tiens pas. C'est juste. Amen. Amen, amen, amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il y a vraiment quelque chose là que vous devez comprendre. Amen. Vasti, le roi l'a appelé au milieu des autres chefs, des autres princes, de tout le peuple. Un Dieu ne vient pas. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ce temps que le roi elle a prié tout ce qui est la fête, elle aussi elle a parti créer sa propre fête. Une fête parmi les femmes. Le roi est là aujourd'hui là. Il n'a pas dit que s'il n'y a pas femme dedans. Mais c'était pour tout le peuple, la Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais Vasti, elle ne s'est pas alignée sur l'ordre du roi. Elle avait sa propre volonté. Elle avait sa propre décision. Elle avait sa propre inspiration. Si mon mari elle a fait pour lui là-bas, moi je fais pour moi ici. Maintenant ton mari dit, viens te présenter. Et Dieu ne vient pas. Amen, amen, amen. Amen. Et vous savez, le monde entier est basé sur l'histoire de la reine Vasti. Sérieux. Amen. Hein? Par la reine Vasti, Dieu a commencé par pas monter la grandeur du roi. Amen. Un roi très grand. Amen. Qui dominait sur 127 provinces. Amen. Il avait beaucoup de biens à citer. Dieu l'a cité tout ça. Tous les serviteurs qui sont à son égard. Et regardez l'honneur même que le roi fait. Amen. Et il a fini de monter les choses matérielles.
Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Quand tu déshonores là pas tout ce qui va t'arriver de mauvais. C'est juste. Amen. Le souffle qu'elle a déshonoré le roi. Amen. Le roi s'est avancé vers ceux qui connaissent l'histoire, le temps, les marges. Amen. Ceux qui connaissent le monde. Jésus est le monde spirituel. Il t'a demandé dans une telle histoire, le défi de quoi? Amen, amen. Il dit que ça ne peut pas rester comme ça. C'est juste, amen. Amen. Parce que dans l'histoire du monde, quand quelqu'un déshonore un chef, il y a forcément une conséquence. Amen. Ça ne peut pas rester sans conséquence. Tout à amen. Amen. Et il y a des gens qui ne peuvent pas honorer. Les gens pensent que ils sont eux-mêmes. Hein, c'est ça, souvent c'est l'orgueil. Amen. Ils sont tellement grands que quand quelqu'un est grand, il n'honore jamais. Jésus lui-même. Parce que quand tu, Dieu veut faire quelque chose, Dieu va forcément passer par un homme. Amen, amen, amen. Quand Satan aussi veut faire quelque chose, il doit forcément passer par un homme. Amen. Si Satan veut détruire la Côte d'Ivoire, il doit forcément avoir un homme. Si Dieu veut bénir la Côte d'Ivoire, il doit avoir forcément un homme. Donc il n'y a pas un homme, Dieu ne peut rien faire. Mais l'homme lui-même, il ne sait pas que tout part par un homme. Amen. Amen. C'est là partout la disgrâce. Oui. Quand Jésus devait venir, Jésus, avant qu'il va naître, il est né d'abord. Amen. Quand il est né, Dieu savait qu'il ne peut pas évoluer avec Jésus. Amen. Sans rendre la gloire, sans rendre l'honneur, sans rendre la reconnaissance à ceux qui ont contribué à sa venue. Amen. Il y avait Siméon. Siméon, depuis longtemps que Dieu devait le prendre. Mais il était dans le temple. Il attendait la venue du Messie. Quand le Messie est né, Dieu a voulu qu'on envoie le Messie. Amen. Sur Siméon. Siméon va attraper le Messie. Il va dire aujourd'hui, mes yeux ont vu ton salut. La récompense de ta souffrance. Dieu ne s'est pas levé seul. Jésus ne s'est pas levé seul. Il dit, comme je suis Dieu, je n'ai pas affaire à Siméon. Il y avait une femme qu'on appelait Anne. Elle était dans les temples. Elle intercédait toujours pour la venue du Messie. Elle attendait aussi la venue. Elle priait pour la venue. Elle intercédait pour la venue. Quand Jésus est venu, quand le bébé est né, Dieu devrait être reconnaissant à Anne. Pour ta mère, quels sont ceux qui ont intercédé? Alors Marie a pris le bébé Jésus pour l'envoyer dans le temple. Les deux personnes qui ont payé le sacrifice, qui ont souffert de l'œuvre pour que Jésus va venir au monde, Dieu est parti les honorer. Pour ta mère, il fallait qu'il les honore. Pour que Jésus soit le Jésus que tu connais, tu ne peux pas devenir quelqu'un si l'homme ne t'a pas donné le droit de l'être. Vous savez, quand Anne a prophétisé sur Jésus, quand Simon a prophétisé sur Jésus, toute partie de là, tu ne pouvais dire, tu n'as même pas fait à eux, c'est moi je suis né, mes enfants, tu n'as pas fait à l'homme. C'est l'homme insensé, c'est l'homme qui n'a rien dans la tête. C'est lui qui dit n'a pas fait à l'homme. Tout à main, à plus forte raison, une autorité. La reine Vasti, elle était grâce. Jésus, comment il va naître? Il y avait Saint-Baptiste qui était né aussi. À cause de Jésus, Saint-Baptiste a
dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes affections. Écoutez-le, avant que Dieu m'assiste à le jour-là, il fallait que Jésus va arriver. Jean-Baptiste dit que je suis trop petit pour se baptiser. Il dit, faut laisser ça se passer. Il s'est mis en genoux dans l'eau. Jean-Baptiste l'a mouillé comme tout le monde. Dis ta mère, toi tu es qui? Et puis tu ne peux pas rendre honneur à un autre homme. Tu seras rien. Tu veux chuter les orgueilleux. C'est pour ça que le porte se ferme seul. Toutes les portes qui se ferment, qui ne s'ouvrent jamais. C'est la porte du déshonneur. Quand tu fais, quand la reine Vasti a fait ça, elle ne pouvait plus rester au palais. Les gens qui connaissaient l'histoire du monde, qui connaissaient le monde spirituel, ils ont dit, elle ne peut plus rester ici. Il faut qu'on la remplace. Elle doit perdre tous ses privilèges. Dans ta main. Mais regardez ce qu'elle était. Ils ont dit, elle a sa décision. Ça va influencer. Sérieux, elle n'est pas n'importe qui. Amen. Elle est une princesse. Amen. La princesse même de toutes les provinces. Sérieux. Si elle agit comme ça, si tu laisses, ça va influencer les autres princesses. Sérieux, amen. Amen. Hein? Amen. Pour la décision de Vasti, elle était tellement ignorante. Elle sait pas que la position là, elle va influencer positivement, mais elle va influencer négativement. Elle sait pas ça. Elle prend la décision sans réfléchir. Amen. Mais les gens qui réfléchissent ont dit, à cause de son action, on ne pourra plus maîtriser le pays. Amen. Amen. Dites amen. Alors dans les églises, en passant par des hommes pour les honorer, pour les donner des postes, pour les donner des positions. Amen. Quand vous signez, amen, le pasteur doit signer pour vous donner. Amen. Amen. Tout amen. Ça ne doit pas rester impuni. Amen. De toute façon, Dieu va punir ça. Amen. Mais pour que les gens ne copient pas, pour que Dieu va frapper tout le monde, amen, on va te signer devant les gens. Amen. Là, comme ça, les gens vont pas faire la même chose. Amen, amen, amen. Parce que quand on est, on ressemble à nos parents. Amen. Mais on meurt à la ressemblance de nos amis. Sérieux. Et à la dépendance de nos décisions nous-mêmes. Amen. C'est pour cela, quand tu nais, tu n'as rien fait. Tu descends à tes parents, ça t'a été imposé. Tu n'as rien fait. Mais la façon dont tu vas mourir là, c'est ça ta décision. Que tu seras influencé par un ami, tu vas mourir comme lui. Tu seras influencé par tes décisions. Voici moi mes décisions. Tu vas mourir dans tes pensées, dans tes décisions. Amen. Tu meurs dans tes pensées, amen, tu meurs dans ta rassemblée, dans tes amis. Amen, amen. Ah. Voici comment tu te fais. Amen. Ah. Amen. La porte se fait à gauche et à droite. Nous, on ne va dans la vie des gens parce qu'ils ne savent pas rendre honneur. Amen. À qui ils doivent rendre honneur. Amen. Ils ne savent pas rendre la reconnaissance. Amen. À qui ils doivent rendre la reconnaissance. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si vous voulez réussir dans la vie, amen. Vous savez comment? Quand vous écrivez vos lettres de chercher emploi, quand je chante, mais j'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Les sommes naturelles qui publient le spirit. Les gens du monde n'ont pas initié ça gratuitement. Amen. On pouvait utiliser un autre mot là. Mais chaque fois, on va te demander là. Il faut donner tout le respect que tu veux dans ta lettre. Il faut toujours commencer, j'ai l'honneur. Amen. Donne l'honneur à celui qui doit te faire réussir. Amen. Amen, 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 amen. Que tu dois réussir, tu imposes l'honneur d'avant la réussite. Amen. Donc tous tes échecs, tous les pots que tu se fermes, tu t'en sors jamais. C'est parce que tu mets le honneur.
au lieu de l'honneur. Tout penser c'est dans l'air de motivation seulement pour chercher travail. On met c'est l'honneur. Et puis physiquement ici, tu déshonores ton père, tu déshonores ta mère, et encore plus grave, tu déshonores les autorités spirituelles. Amen, amen, amen. Amen. C'est la meilleure façon de jouer que de faire ça. C'est la meilleure façon de fermer les portes. Vous savez, la Bible dit que Satan sera lié pour 1000 ans. Amen. Hein? Amen. Mais je vous dis, avant que cela n'arrive, que Satan soit lié pour 1000 ans, il y a des gens actuellement, même si Satan n'existe plus, seront mauvais. C'est juste, c'est juste. Amen. Il y a des gens actuellement, même si Satan n'existe plus, les portes leur seront toujours fermées. Vous devez comprendre que beaucoup de choses qui vous arrivent là, ce n'est pas forcément Satan. C'est le déshonneur que vous décidez de faire à autrui de façon indépendante qui vous ferme les portes de façon libre. Si Satan n'existe plus, regardez au ciel. Actuellement, il n'y a pas Satan là-bas. Amen. Mais les anges, il y a des portes qui ne peuvent pas franchir. Amen. Amen. Hein? Il y a des portes que les anges ne peuvent pas franchir au ciel. Ils sont limités. Il y a des droits qu'ils ne peuvent jamais avoir. Ils sont limités. Ce n'est pas Satan qui fait tout. Pour que Jésus va maudire l'arbre là, il n'a pas appelé Satan. Amen. Hein? Quand il voulait fruit, et puis il n'y avait pas de fruit. Et puis il a maudit l'arbre. Il n'a pas appelé la puissance de Satan. La même puissance qui doit prendre béni là. C'est lui-même. C'est-à-dire que si Satan n'existe pas, Dieu peut maudire et puis ça sera maudit. C'est juste. Pourquoi Satan n'existe pas? Il y a des anges qui ont des limites qui ne peuvent jamais être ceci. Il y a des hommes qui seront sauvés qui ne seront jamais ceci. Parce que c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Satan n'a rien à voir dedans. Tout ce que tu fais dans ta vie, ce que tu subis, les échecs que tu as, et les fois que tu se fais, arrête de mentir sur Satan. C'est le déshonneur que tu fais sur ta route. Déshonneur après déshonneur. Regardez, Esther. Amen, 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 amen. Glory, man. Esther était jolie. Amen. Amen. Mais sa beauté ne fait rien à quelqu'un. C'est juste. Amen. Amen. Hein? Amen. Certainement dans la vie, il y a des gens qui aiment Esther à cause de sa beauté. Amen. Mais ça ne pouvait rien faire. Amen. N'importe qui peut t'aimer, mais ça ne va même pas influencer ta vie. Amen. Quand le roi Assuérus a voulu une reine, il fallait que lui il va aimer. Amen. Que lui il a aimé, amen, ça a changé sa vie. Amen. Amen. Salut, Amen. Pour qu'elle va devenir la reine Esther. Amen. Que tout le monde la connaisse. Amen. Il fallait qu'un homme va l'aimer. Amen. C'est pas Dieu qui devait l'aimer. C'est juste. C'était l'amour d'un homme. Amen. Amen. Que l'homme l'a aimé. Son étoile qu'elle est née avec à prier. Amen. Glory. Amen. Amen. Yeah. Amen. 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 Dieu peut dire oui. Et puis l'homme peut dire non. C'est juste. Et puis c'est le nom de l'homme là qui est sur toi. C'est juste. Amen. 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 Beaucoup de choses que tu peux faire, amen, beaucoup de visions que tu peux avoir, amen, même les prophéties que tu peux avoir dans les églises dénominationnelles, amen, que tu vas déshonorer un homme, que l'homme l'a existé contre toi, amen, cette bénédiction-là se bloque. Oh, Dieu t'a déjà promis, mais parce que l'homme est déjà un obstacle, tu ne peux jamais avoir. C'est ça, Jésus a dit, avant de demander quoi que ce soit, amen, va demander d'abord pardon à celui qui a fâché contre toi. Amen. Je dis l'homme n'est rien, je m'en fous de l'homme. Ah, amen. C'est le
insensé qui dit ça. C'est juste, amen, amen, amen. 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 C'est la preuve que si tu t'entends de Branham, tu vois que moi, il m'en fout de Branham. Branham n'est rien. Aujourd'hui, comme il est mort, quand vous avez l'esprit villageois pour adorer les ancêtres, c'est cet esprit-là qui vous a oué. Quand le plus vil est décédé, là, vous l'aimez. Mais quand il est vivant, le démon l'a tous ainsi. Ne faut pas croire à un homme. Il est comme toi. D'ailleurs, tu es mieux que lui. C'est qui le fait croire? C'est juste. Amen. 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 Pour honorer. Maintenant, même dit de s'honorer les uns les autres. Amen. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur. Amen. Amen. Les vases d'honneur, toi, tu les déshonores. Et si tu veux la grâce de Dieu dans ta vie, ah, la grâce de Satan, tu vas voir ça. C'est juste, amen. Satan après Satan. Amen. Et même si Satan même il est lié pour 1000 ans, toi tu vas vivre le malheur. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Hein, en enfer là, est-ce que Satan fait quelque chose à quelqu'un là-bas? Mais ils vont souffrir. Amen. C'est Dieu lui. Amen. Donc ce qui se passe ici, c'est toi-même qui dis, c'est Satan, il est contre ma vie. Il a passé tel concours, je n'ai pas eu. Il a si je ne gagne pas, je devrais travailler si je ne travaille pas. Beaucoup de postes se ferment, les gens réussissent, je ne réussis pas. Tu mets ça si Satan paye, tu es inconscient. C'est juste. Amen, amen, amen. Beaucoup de choses que Satan même peut s'arrêter là, il n'a rien à voir. Amen. Mais c'est toi-même qui en fabrique. Amen. Par les déshonneurs même que tu fais à Dieu. Amen. Dieu même te maudit au lieu de te bénir. Juste, il n'a même pas pris Satan pour te maudire. Juste. Il te maudit sans Satan. Lorsque les gens seront en enfer maudits, maudits, Satan même maudit, c'est pas que Satan il souffre, mais il souffre. Amen, amen. Amen. Dis amen. 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 Amen, amen. Dieu avait envoyé le peuple d'Israël pour aller tuer tous les gens à Canaan. Il y avait une femme qui avait hébergé les deux espions. Elle les a dit, je connais votre Dieu, je connais votre histoire. Elle a commencé à les honorer, elle a commencé à les faire grands, elle a élevé le peuple qui est dans le désert, qui n'a même pas payé, au-dessus de leur pays. Elle a aimé les dieux, au-dessus de elles, son Dieu. Elle les a pris bien, elle a mis sa vie en danger pour les garder, pour nous qu'elle les a honorés. Dieu a dit, tuer tout le monde. Elle a dit, non, vous ne pouvez pas tuer ma famille. Amen. Le jour que vous allez revenir là, sauvez-moi, moi et ma famille. Amen. Tout à fait. Amen. Le déshonneur garde tout. Amen. Dieu avait dit, au bout de ta là, tu es tous les pays des sept royaumes, des sept royaumes, que je vous ai dit, vous devez tous les tuer. Il y avait un pays qui était proche de Canaan, qui était en Canaan même, qui faisait partie des gens que Israël devait tuer. Amen. Gabaon. Et ils sont venus voir Josué. Ils ont dit à Josué, ils ont menti à Josué, qu'ils sont quittés loin. Josué a dit, ok, on est d'accord, on vous laisse la vie. Vous êtes loin, vous ne faites pas partie des sept rois qu'on va détruire. Donc on vous laisse. Après qu'ils ont su qu'ils ont été trompés, Gabaon a dit, on a eu peur de votre Dieu, on a eu peur de votre puissance, on a eu peur de ce que vous êtes. Donc ce qu'on demande là, laissez notre vie, mais faites-nous ce que vous voulez, Amen. Mais ne nous tuez pas. Dites amen. Et Dieu a approuvé cela. Amen. A imposé ta parole. Amen. Parce qu'ils ont donné honneur à Dieu et aux hommes. Dites amen. Quand tu donnes honneur, quand Josué a pris l'honneur qu'on lui a donné, l'honneur qu'ils ont donné à son Dieu, et tu ne les tues pas, tu as dit amen. On ne pourra pas les tuer. Amen. Il a dit non parce que tu as dit non, tu es. Amen, amen, amen. 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 L'honneur. Dieu peut dire que je suis ta vie. Amen.
pas n'importe qui va dire non. Mais un homme sur la terre peut dire non à ça. Amen. Amen. Puis Dieu m'a dit, je ne fais pas. C'est juste. Amen, amen. Amen. Hein? Amen. La reine Basti. Saint-Denis sont partis la chercher. C'est juste, amen. On dit bien le roi a besoin de toi. Amen, amen. Elle dit, elle ne vient pas. Amen. Alors elle a désobéi. Amen. Dieu dit, on va chercher une autre reine. Alors ils ont fait venir beaucoup de jeunes filles dans la cour royale. Et il y avait un autre élu qui n'a rien à voir avec les sept. C'est l'histoire. Et tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament est l'ombre de la réalité qui doit arriver. Il y avait un autre élu qui n'a rien à voir avec les sept. C'est lui qui est la quatrième des femmes qu'on l'a envoyé. Et c'est lui maintenant qui entretenait toutes les femmes qui étaient venues. Amen. Il les entretient et toutes. Il leur donne des parfums, des myrrhes. Donc ils ont divisé l'année. Parce qu'ils devaient les prêter sur un an. Amen. 6 mois avec la myrrhe. Et puis les 6 autres mois avec du parfum. Amen. Donc il les a prêtés avec la myrrhe 6 mois. Et puis les autres 6 mois, c'était avec du parfum. Après ces 12 mois passés, maintenant on va les faire passer maintenant chez le roi. Amen. Maintenant pour aller chez le roi, chacune des femmes passait dans une salle, elle prenait tout ce qu'elle voulait pour sa beauté. Et ce qu'elle a besoin de vouloir, elle prendait. Comment toi-même tu veux t'arranger pour aller là? Tu le fais. Donc elle-même, elle rentre dans la salle, après les 12 mois, elle prend tout ce qu'elle trouve bon. Si elle voit qu'elle veut mettre sienne, elle met. Elle veut mettre telle fille, elle met. Tout ce qu'elle veut. Elle finit ça, elle s'en va chez le roi. Donc chaque soir, ça faisait comme ça, ça faisait comme ça. Jusqu'à le tour des fées est arrivé. Quand le tour des fées est arrivé, l'eunuque qui était gardien de femmes, n'a pas laissé Esther choisir elle-même. Amen. Dites amen. 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 Hein? Il y a les gens qui choisissent elles-mêmes. Tu écoutes. Ce que tu reçois, c'est ça. Cet eunuque-là, lui, il est arrivé. Parce qu'il a trouvé, il a aimé Esther. Amen. Et il a commencé à choisir ce que le roi veut. Amen. Dites amen. Amen. Toi, on t'a pris au dehors. Tu viens d'arriver dans le royaume. Les 12 mois même, peut-être même, tu n'as jamais rencontré le roi comme ça. Amen. Tu veux t'habiller maintenant pour aller le rencontrer. Est-ce que tu sais ce qu'il aime? Amen. Tu connais le parfum qui touche son cœur. Tu connais rien. Amen. Mais toi-même, tu l'as choisi dans les bandes. Quand tu écoutes ce qui t'arrange, tu prends. Les inspirations que tu reçois, tu prends. Chacun a la capacité d'entendre le prophète lui-même. Parce que les sept sont déjà passés. Tout à l'heure, on est entré dans le nid qui est le 8e. Tu n'as rien à voir les sept. Celui qui est descendu là. Mais quand il arrive, il y a deux paroles qui chantent en même temps. Non, chacun peut se débrouiller à l'époque. Chacun peut entendre Dieu par lui-même. Donc les femmes là, elles sont là s'habiller elles-mêmes. On ne connaît rien du roi. Mais toi-même, tu es là pour la gauche. Prends la droite, j'ai mis Jérusalem, j'ai mis tel bout d'oreille, j'ai mis tel océan, j'ai m'habillé en orange, j'ai m'habillé en blanc. Amen. Ça passait, ça passait. Quand Esther est arrivée, amen. L'ennemi qui dit, je ne vais pas te laisser, toi-même tu vas faire ton choix. Amen. Je connais ce que le roi aime. Je connais parfait qu'il aime. Je sais comment tu attaches les cheveux et puis ça coupe ton son cœur. Qui sont partis chercher la dénomination. Amen. Que la elle faut venir au rendez-vous.
Tu as dit, cessez votre piège. Pour nous tous, on est entrés dans le message. Et on est en train d'être habillés maintenant par le huitième qui est descendu. Qui n'a rien à voir avec cette. Il y a eu la rédemption. Apocalypse chapitre 10. Là, il est descendu. C'est lui le huitième. Il est là maintenant nous habiller. Mais à ce niveau-là maintenant, est-ce qu'elles sont autonomes? Parce qu'on nous a dit de rentrer dans la salle. J'ai une ordonnance. On dit quand c'est fini là, chacun rentre dans la salle, chacun prend ce qu'il veut. Branham dit, chacun a la capacité d'entendre ce que le prophète a dit. C'est une ordonnance. C'est une ordonnance qui a été reçue. Mais là, là, il y a le nid là. Il dit que je ne peux pas laisser ça. Tout à l'heure, tu vas écouter, tu seras en prière. Tu vas écouter, tu ne sais pas quoi prendre. Est-ce que tu as la pensée du Père à toi? Pour savoir ce que Branham est en train de dire. Tu ne peux pas saisir ça. Il faut que moi, le nid qui a choisi pour toi. Tout à l'heure, les autres ont joué le temps. Ils n'ont plus choisi, choisissent. Ils n'ont plus besoin de Phésien. Ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Ils ont reçu le septième. C'est fini. Mais quand Esther est arrivée, elle dit, j'ai besoin de quelqu'un encore. Pour me guider. Choisis pour moi. Écoute la bande pour moi. Tu me prêches selon ton inspiration. Tu connais ce que Branham pense. Tu as la pensée du Père en toi. Amen. Et c'est quand tu as cette pensée, amen, quand tu écoutes les bandes, tu peux me donner ce qui est juste. Amen. Là, je serai aimé par le roi. Amen. C'est ça qui a fait la différence. Quand elle est entrée dans le camp Esther, elle est entrée dans la présence du roi, le roi l'a aimé en même temps. L'accoutrement, il l'a aimé. Le parfum, il l'a aimé. Sa voiture, il l'a aimé. Quand j'étais massé, il lui a peut-être même montré sa démarche. Voici comment ton marché pour aller croiser. Dis amen. Parce que je sais un peu comment Esther marchait. Non pas marcher comme ça pour aller. Il va s'en souvenir, j'espère. Dis amen. Voici la passante. Dis amen. Alors c'est celui-là. On est après les steps là. Tu ne peux pas écouter prendre là à la maison. Tu ne peux pas écouter les citations à la maison. Ne peut pas partir à femme. Donc c'est eux, on les prend pour gérer l'épouse du roi. Amen. Maintenant, quand Esther a été choisie comme la reine, amen, à la place de Basti, il y a eu deux eunuques là qui n'ont rien à voir, amen, avec les sept. Amen. Hein? Les sept sont passés. Les sept messagers sont passés. Amen. Arrêtez de penser à ça. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Amen. C'est ça qui est important. Amen. Les sept qui sont allés appeler Vasti, puis Vasti n'est pas venu. Les sept qui sont allés chercher les jeunes filles, c'est encore les sept, hein? Amen. C'est les sept qui sont partout chercher les poursuivre tout ça. Les nouvelles personnes venir remplacer la dénomination. Où c'était l'église avant nous. Donc les sept encore sont pas testés, les jeunes filles. Quand ils sont venus, ils ont confié ça à un seul maître. Amen. Le gardien des femmes. Amen. Et après que Esther soit choisie, c'est le seul nuque là qui est le nuque d'Esther. Maintenant les vieilles encore, les concubines, parce que ceux que le roi n'a pas choisi. Mais comme il est roi, il lui faut beaucoup de femmes. Amen. De temps en temps, il peut dire, toi, viens. Donc, il dit, il y a un eunuque pour toutes les vieilles encore. Amen. Pour toutes les concubines. Il y a un eunuque pour eux. Et puis, il y a un eunuque pour, hein, pour Esther. Amen. Dites amen. 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 Vous ne soyez pas effrayés. Amen. Qu'ils ont eux aussi leur eunuque. Amen. Amen.
sous-castrés. Ils ne peuvent pas faire enfant. Donc, parce que de façon physique, pour que le roi te rassure que tu ne vas pas aller de temps en temps avec ces femmes, alors tu casses. Là, tu ne peux plus rien faire. Amen. Donc, ça représente les faits à l'église, hein, par exemple, un pasteur qui prêchait à la convention, amen, le dimanche passé. Il dit qu'on est castré, que nous, on n'a pas de chair pour enfanter l'épouse. Que c'est Branham qui a les chair pour enfanter l'épouse. Et ils oublient que les sept uniques là représentaient les sept âges de l'église, les sept messagers eux-mêmes. Amen. Ils oublient ce côté-là. Amen. 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 Maintenant, quand tu prends l'unique, un unique, on ne va pas rester unique. Dites amen. Un fidèle est tel unique. Amen. Parce qu'il ne peut pas, il peut pas engrosser l'église. Amen. Dites amen. Amen. Il ne peut pas donner une sémence dans l'église. Amen. Donc, il y a forcément des uniques. Mais l'unique doit changer de position. Devenir le roi après. Dites amen. La royauté, c'était à Cyrus qui était assis dessus. Et c'était à Cyrus qui avait la sémence. C'est pour ça, en ce temps de la fin, quand nous passons les sept lieux, il y a le dernier qui a introduit la royauté. Amen. Il y a à Cyrus est maintenant sur le trône. Dites amen. Amen. Nous ne sommes plus de la dispensation de ceux qui ne peuvent pas engrosser l'église. Dites amen. Christ est obligé de chaque fois venir intervenir dans l'église. Nous avons dépassé ce temps-là. Nous sommes entrés dans le temps de la royauté. La royauté est sur la terre. L'église, en tant qu'éunuque, traverse la dispensation des nuques. Même les sept messagers sont aussi des nuques. Mais le dernier a traversé cela pour devenir roi. Depuis qu'il est entré dans la royauté, nous sommes dans la dynastie de la royauté. Dites amen. Après lui, il y a son enfant qui vient. Après lui, il y a son enfant qui vient. Mais ce n'est pas un enfant charnel. Amen, amen. Amen, amen. Hein? On attend le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait mal de savoir que les gens croient le message et ils ne savent pas qui ils doivent devenir. Ils se comparent à des uniques qui n'ont pas de sémence. Ils se comparent à des uniques qui n'ont pas de sémence. Et ils s'arrêtent là, ils se contentent de ça et ils jouent les pas. Lui qui a sémence là, il ne vit plus. Donc vos maris là, il est maintenant un esprit. Ils ne savent pas que le même Branham a changé l'époque des uniques, a fait entrer le peuple de la royauté. Parce qu'actuellement, celui-même qui encrousse l'église n'est plus quelqu'un imaginaire. C'est quelqu'un dans l'église qui encrousse l'église. Mais il faut une position de roi pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a une seule sémence. Et la sémence vient du roi. Amen. Et c'est sa sémence que les gens peuvent prendre pour engrosser les bouches partout dans le monde entier pendant le temps de sa vie. Parce que c'est une dynastie. Quand le roi meurt, il y a quelqu'un qui prend sa place. C'est une obligation. Amen. Amen. Hein? Amen. Souvent, vous savez, Dieu m'a dit d'écouter tous les serviteurs de Dieu du monde. D'écouter tous les pasteurs du monde. De ne pas négliger un seul passage. Hein? Vous voyez la cravate que j'ai portée ici? C'est le pasteur Merci, pasteur Kondo de Sikensi. C'est lui qui m'a offert cette cravate. Et c'est la meilleure cravate de toutes les cravates que je porte. C'est juste. Amen. 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 Et il y a une comparaison qui se fait
qui n'a même pas droit de lier, d'être lié, d'avoir lieu. Le pasteur, merci, Dieu l'a béni pour faire miracle. Amen. Donc, par sa main, Dieu fait beaucoup de prodiges. Amen. Beaucoup de miracles. Amen. 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 Parler de paix en lui, devant lui-même, ça lui donne l'honneur. Parler de bien en lui de son ministère dans tout le milieu, ça nous donne honneur. Amen. 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 Depuis dans notre ministère, on honneur à tous ceux qui ont contribué à notre bien. Amen. Dans le ministère. Amen. Qui parmi vous fait ça? Amen. Même ceux même que j'ai pu prêcher derrière la chair ici. Jésus, amen. Jamais. Amen. Amen, amen. Mon pasteur, on a dit qu'à Paul, j'ai tout fait comme j'ai toujours appris de lui dire. Amen. Pour qu'il n'y ait jamais d'échange, amen, de discussion entre nous. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Amen. Amen. Parce que c'est un homme bonheur. Amen. Et j'ai toujours pu partir pour lui partout où je suis passé. Amen. Même quand cette affaire d'écriture sur la mer est arrivée, dans le groupe de l'écriture sur la mer, quand quelqu'un veut parler, je suis en train de parler, ils vont aussi écouter. Et personne ne peut dire que c'est faux. Amen. Quand ils veulent parler mal de lui parce qu'il a rejeté l'écriture sur la mer, c'est moi qui dis qu'il a accompli son travail. Amen. 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 On n'a plus rien à lui demander. Amen. C'est parce qu'il est bon que nous sommes sortis de lui. Amen. Si tu veux réussir, fais tout pour ne pas t'associer avec quelqu'un qui parle mal à une autorité. Amen. 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 Il y a des combats qu'il n'a pas lieu de faire, mais il y a des combats que ce n'est pas possible même de faire. Amen. Tu ne peux jamais faire parler avec ton papa. Amen. Tu as parlé, on dit les enfants sont coup de poing leur papa. On trouve ça odieux. Mais spirituellement, les gens le font à l'aise. Jésus, amen. Ton papa même il dit, Franca fait parler. On voit d'autres papas même qui se en combat. Amen. Et puis l'enfant a arrêté, il et puis il s'en va. Amen. Le papa même peut le forcer derrière. Amen. Mais il ne répond pas. Amen, c'est juste. Amen. L'honneur à tes sacrifices. Amen. Amen. Dans l'église, le pasteur peut prendre des décisions. Que toi-même, tu sais qu'il n'a pas raison. Amen. Mais tu dis, c'est le pasteur, on doit faire. Amen, amen, amen. L'honneur, ça passe par là. Amen. Amen. Le pasteur peut prendre une décision, puis ça s'est avéré qu'il n'avait pas raison. Et puis ça sort devant, ah, il n'avait pas raison. Mais vous n'en parlez pas à cause du respect. Amen. Et lui-même, il revient, il dit, ah, j'avais pris cette décision-là, j'avais mal pris. Amen. Telle personne avait raison, donc allons dessus. Amen. Amen. Oh, la personne a vu ça, mais il a tué sa passion, il a l'honneur. Amen. J'ai toujours honneur avec lui. Amen. L'honneur, là, il y a des sacrifices. Amen. Amen. Il y a des combats qu'il n'y a même pas lieu de faire. Amen. Amen. Les foyers sont détruits. Amen. À cause de l'honneur. Amen, c'est juste. Le même bastille se retrouve là-bas. Amen. Amen. Ton mari te donne une grande considération. Amen. Regarde comment le monsieur est. Un grand roi. Quand il parle comme ça, tout le monde se prie. Amen. Dieu même a parlé de sa grandeur. Amen. Pour voir à quel niveau bastille était. Plus honorante. Amen. C'est même pas un petit roi. Il était le roi des rois. Amen. Parce que les autres royaumes sont les appels des princes. Parce que c'est lui qui les gouverne. Amen. Amen. Et tout ce qu'il a dans sa maison, il a fait un festin de grandiose. Quand tu l'as fait, m'en parle même de ce festin. Tu dois fasser. Amen. On peut voir un pasteur tellement grand, tellement grand, tellement grand.
Mais tu es étonné que son église ne peut jamais l'honorer. Ce sont des fastidies. Amen. Amen. Tu es étonné. Ils ne veulent même pas l'hôtel même du pasteur. Amen. Mais ils ne vont jamais l'honorer. Comment tu as subi? Vas-y, tu n'étais pas dans le temple avant. Amen. Tu n'étais pas dans le palais avant. C'est juste. Amen. Tu as eu ce nom de grandeur là à cause du roi. Amen. Sinon, tu n'es rien. Amen. Tu ne veux même pas son hôtel. Amen. 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 Mais elle est impolie. Elle le déshonore. Amen. Tous les grands sont choqués. Quelqu'un que nous on respecte. Amen. Hein? Il y a des combats qu'il ne faut pas faire. C'est juste. Amen, amen. Comme mon petit frère qui fait des miracles. Et moi, je vais dire, j'allais faire miracle pour le dépasser. C'est un combat inutile. Amen. Amen. Ça n'a même pas lieu d'être même d'exister. Tu dois honorer son temps, l'honorer devant tout le monde. Amen. Parce que Dieu fait dans sa main. Amen. Quand tu vois tel pasteur, il est grand dans son ministère. Tu dis, oh, moi je peux faire mieux que lui. Tu n'as rien même commencé encore. Amen, amen, amen. Amen, tu te crois que tu peux faire mieux que lui. C'est juste, amen. C'est un combat inutile. Amen. Ça n'a même pas de sens. Amen. Tu dois chercher sa prière. Amen, amen. Tu dois chercher l'honneur de celui. Amen. Pour que le bonheur t'accompagne. Amen. Pour que le port en souffre. Amen. Que les réussites se peuvent poursuivre. C'est ce que toi tu dois rechercher. Amen. Vous savez, la première personne qui n'a pas cru à mon ministère, c'est mon petit frère. C'est juste. Le pasteur Kondo, dont je parle, qui m'a offert la cravate. Amen. Mais actuellement, je suis étonné qu'il croit mon ministère. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Ils ne se sont pas fait comme moi. Ils se rendent compte que je ne se sont pas aussi à faire comme lui. C'est juste, amen. Amen. Donc j'ai cherché à prêcher plus que pasteur Étienne. J'ai cherché à donner plus de révélations que pasteur Étienne. Je vais vouloir que peut-être qu'on parle de moi aussi sur la révélation. C'est un combat inutile. Amen. 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 Non, il est parti faire l'église à Abidjan. Et moi aussi, je veux passer ce qui se passe. Amen. Tu peux voir tel pasteur. Il a église ici, il a église ici, il a église ici. Toi aussi, tu veux avoir. Que tu donnes un combat qui ne doit pas exister. Amen. 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 Il y a des combats qui n'ont pas lieu d'être. Au lieu d'honorer la personne, amen, on rentre en conflit. Amen. 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 Quand Esther a tout le pouvoir. Amen. Quand Esther est entrée dans le trône. Amen. Hein? Mais on a mis un passage sur Saul. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et ce que nous-mêmes on dit, l'homme est qui? Et ce verset-là, les gens prennent pour diminuer l'homme. Ils ne savent pas que l'homme a été élevé ici. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour que tu prennes garde de lui. Pour que tu lui confies beaucoup de choses. Amen. Ça veut dire quoi? Contre l'homme, il ne ressemble à rien. Il est comme une fleur. Amen. Qui est née aujourd'hui, mais sa mère. C'est juste. Il a tous les problèmes du monde. Amen. C'est ça, qu'est-ce que l'homme? On n'est rien. Dieu même sait qu'on n'est rien. Amen. Mais malgré ça, il dit Dieu a donné la magnificence. Amen. Amen. Dieu a tout soumis sous les pieds de l'homme. Amen. Tout soumis sous les pieds de l'homme. Donc quand tu dis l'homme n'est rien, tu oublies que cet homme qui n'est rien.
Je suis tu peux entrer à la maison, puis un homme dit bien, j'ai acheté une voiture pour toi. Amen, amen, amen. Ta vie change. Amen. Je te donne un bureau ici. Amen. J'ai payé une maison pour toi. Amen, amen. Dieu est assis en haut. Amen. Dieu veut te bénir. Juste, mais il doit toujours utiliser un homme. Amen, amen. Amen, pasteur. Dieu a besoin de cet homme que tu dis n'est rien. C'est juste, amen. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que l'homme? Amen. Quand je voulais dire quelque chose, ça m'a échappé. Amen. Tu sais, tu peux avoir cet appareil. Amen. Qui nous sert de prêcher à l'aise. Amen. Et puis on trouve que le jour que l'appareil n'est pas là, on dit lui-même, il ne nous apporte rien même. Tu n'as même pas besoin de lui-même. C'est ça, la mauvaise action. Amen. Le déshonneur, le déshonneur. Amen. Reconnaître que la présence d'un tel objet, soit minime que ça soit, a une utilité pour ta vie. Amen. C'est Amen. Ça l'honneur. Mais valoriser. Hein? Tu as ton portable. Ce petit objet est dans ta main. Tu considères ça bien, tu aimes ça. Amen. Il faut reconnaître que quand tu n'as pas ça, amen. Il y a de l'insuffisance dans ta vie. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui te manque. Amen. Quand la chose est là, ça m'aide à être efficace. Amen. Amen. C'est ça l'honneur. Amen. Amen. Mais dis que je n'ai même pas besoin de son absence. Amen. Sa présence et son absence ne me fait rien. C'est ça le déshonneur. Amen. Dieu peut faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Et tu vas être aveugle dessus. Comme si tu ne vois rien. Il ne faut pas être étonné. Le porte vont se fermer. La vie commence par l'honneur. Amen. Amen. Si Dieu, si l'homme doit louer tous les œuvres de Dieu, Dieu a fait ceci, c'est grand. Dieu a fait ceci, c'est grand. Qu'en est-il de l'homme qui est en face de toi? Amen. C'est lui qui dit que ça ne fait rien. Quand celui-même qui a écrit le proverbe, je ne sais pas, Ecclésiaste, il a dit, quand je vois les œuvres de tes mains, les œuvres de ses mains, c'est quoi? C'est tout le monde qui voit. Tellement c'est beau, grand. J'entends ça, je vois ta grandeur. Et Dieu est honoré. Mais dans ça, quand tu vois l'homme, tu dis l'homme n'est rien. Esther, son peuple était en danger. Dont les Juifs qui étaient dans toutes ces patries, il y avait un complot qui est fait contre eux pour les tuer. Alors elle était reine. Son oncle l'a fait la commission de savoir qu'on veut tuer les Juifs. Donc viens nous aider. Il faut utiliser ta position pour nous aider. Esther d'abord a vu la difficulté. Vous pouvez voir, parce que c'est par elle on voit l'importance de ce que le roi a fait à Vasti. Amen. Il dit, je ne peux pas aller en présence du roi tant qu'il ne m'a pas invité. Amen. Car toute personne qui va en présence du roi, sans qu'il ne soit invité, on le tue. Alors, je veux mourir. Si je vais sans qu'il ne m'invite. Vous voyez Vasti? Vasti a été invité. Amen. Pour venir même dans la présence, c'est compliqué. Tant qu'il ne t'invite pas. Maintenant, on envoie sept messagers à aller t'inviter. Pour t'escorter pour venir. Elle a refusé. Amen.
Amen. C'est là maintenant qu'on envoie la commission à son nom. Son nom dit, si tu ne vas pas, ils vont nous tuer. Après, tes parents vont mourir aussi. Amen. C'est pour que tu fasses cette action-là que tu es devenu reine. Alors qu'elle a appris ça, elle dit, ok, je vais partir. Si elle va mourir, je vais mourir. Mais voici ce que je dis à tout le peuple. Dites amen. Une femme, c'est une église. Toutes les concubines là, c'était des églises. Elle dit, ok, j'entends à tout le peuple de Dieu. Je prends autorité sur eux. Ils n'ont qu'à jeûner pendant 3 jours. Amen. Sans manger, nuit et jour. Mon frère, je veux vous prier. Moi aussi, je vais faire de même avec dans le royaume d'ici. Dans le palais. Quand j'aurai fini les 3 jours, j'irai devant le roi. Vous voyez l'honneur. Hein? Toi, tu vas chez ton pasteur, tu parles. Hein? Tu vas me suivre, je suis là-bas en cascade pour me supprimer. Je suis déshonoré immédiatement. Parce que je dois quand même m'apprêter. Ah, on doit aller sur le poste, mais il y a quand même un protocole. On doit la payer d'abord. Là, il se met dans les dispositions pour nous attendre. Pour ne pas aller le supprimer. C'est de le déshonorer. Les frères entre nous, on devient comme des amis. Mais et quand il y a une nouvelle personne, et on n'est pas encore des amis, on a encore des étrangers physiques face à face. Amen. Donc elle-même, elle doit aller devant le roi. Promets la respecter le roi. L'honneur qu'elle lui donne, que je ne peux pas me lever comme ça pour partir. Amen. Faut que je veux me mettre en genoux pendant 3 jours. Mais avant de faire ça, elle a pris autorité sur l'église de Dieu. Amen. Dites amen. On dit non, on veut les garçons seulement pour gouverner les messagers seulement. Ce jour-là, tu es ton vieillard, tu es ton garçon, tu es personne dans ta partie comme tu veux. La reine, une femme. Est-ce qu'il faut gêner 3 jours? C'est pas Dieu qui a parlé. C'est elle-même qui s'est assise. Elle a dit qu'elle ne peut pas partir sans ce sacrifice-là. Mais le peuple va faire ça avec moi. Alors elle a commandé au peuple. C'est amen. Si tu crois que tu es dans le message, si tu crois que les 5 ans de l'église sont passés, si tu crois que l'œil du Seigneur est descendu après les 7, tu dois savoir qu'elle a parti de loin. Sauver de la mort. Il faut que l'église va prendre autorité. Elle veut réviser ton autorité. Tu dois prendre l'autorité. Sinon, on va mourir. La chaîne de la mort nous est enchaînée. Satan nous a joué le coup. On va forcément mourir. Mais tu as la reine. Il faut prendre ta responsabilité. Dis-nous quelque chose. Amen, amen, amen. Les 7 messagers ne peuvent rien faire. Les 7 énigmes ne peuvent rien faire. Les 2 énigmes quand tu regardes, arriver là, c'est toi qui parles. Et puis tout le monde fait. Elle dit, tous ceux qui sont mes servantes, elles vont faire. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans sa maison, même le nuque même, il va gêner aussi. Oui. Parce que c'est lui qui l'accompagne partout. À ce niveau-là, tu dois savoir qu'on a dépassé tout ça. Mais au bout, pour le salut, au bout, pour vivre la mort, qui prend la décision? Amen. Les gens ne peuvent plus croire en la Bible. Ils ne peuvent plus, tu déposes ça, ils font comme, non, c'est bizarre dans le message. Des sorciers même. Alors, regardez le respect. Elle a gêné les 3 jours. Elle a fini. Elle s'est bien apprêtée à la façon dont son mari va l'aimer. Quand elle est passée, elle dit, on doit lui tendre le sceptre d'abord.
le siècle, le roi dans les temples, qu'elle touche le bout, là, elle ne va pas être tuée. Qu'elle est entrée, quand le roi l'a vue, le roi a perdu en même temps le sceptre d'or. Pour qu'elle vienne toucher, pour ne pas qu'on la tue. Elle est venue toucher. Qu'elle a fini de toucher. Le roi a demandé, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. Amen. 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 Dites amen. À ce niveau-là, le commandement revient à l'église. Je suis capable de une moitié de mon royaume. Tu deviens gouvernant. Moi aussi, je suis gouvernant ici. Il faut dire ce que tu veux. Je vais te donner. Dites amen. Tu n'es plus le roi qui décide. Quand tu franchis le rang, l'autorité, que tu dois donner l'honneur pour te donner l'autorité, il te dit maintenant, dis-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Tu dis, c'est mon royaume pour te donner, je vais le faire. Et il a répété ça plusieurs fois, plusieurs circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu a vu. Dieu a restauré l'image. Quand le roi Assyrie a eu un mal avec Vasti. Amen. Venu avec un tel respect, elle n'a pas regardé sa beauté. Sa beauté ne vaut rien. Si l'homme ne te donne pas grâce, tes dons que tu as ne valent rien. Si l'homme ne te donne pas grâce à cela, ce que tu penses être ne valent rien. Si l'homme ne donne pas grâce à cela, alors Esther n'a jamais compté sur sa beauté. Que je suis belle, c'est moi maintenant il a choisi. Quand je peux partir comme je veux, pour me déshonorer, pour honorer ta beauté, et déshonorer l'autorité qui est en face. Honorer ton corps, et puis déshonorer le serviteur de Dieu qui est en face. Ça c'est facile. Esther n'a pas fait ça. Esther a négligé sa beauté. Tu peux même être étonné. Comment elle a pu parler ainsi? Comment elle était amie du roi? Mais elle a oublié ses capacités. Non, dans l'église, après le pasteur, c'est moi. Donc, je me donne le droit de faire ceci. Je me donne le droit de faire cela. Je me donne le droit de faire ceci. Tu es à l'image de Vasti. Esther, elle va toujours négliger tous ses potentiels. Tout ce qu'elle a comme avantage. Elle dit, c'est pour rien devant cette autorité-là. C'est lui qui m'a mis ici, c'est lui qui peut m'enlever. Alors je dois avoir tout le respect. Amen. On va se tenir debout. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Pourquoi avoir ta propre réunion? Amen. Et ta réunion là où Dieu se trouve. Amen. Où les hommes sont, les femmes parlent pas. Le jour là, il a dit, viens montrer ta beauté, viens montrer ce que tu es. Amen. En présence de tout le monde, tu vas entrer, tu vas attirer le regard de tout le monde. Dieu te donne cette autorité là aujourd'hui. Si l'autre église a été disgraciée, c'est pas que Esther va être disgraciée. Dieu t'appelle, il dit viens, il faut que tu viennes dans sa présence. Pour pas dire que je suis femme, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. L'autorité suprême, Dieu t'a donné cela. Dieu donne cela à son église aujourd'hui. Il dit, demande ce que tu veux. Jésus-là, tout le peuple juif a été sauvé à cause d'Esther. Tout le peuple juif a été libéré de la mort à cause d'Esther. C'est leurs ennemis qui ont été tués. Sinon, elles, ils ont été sauvés par qui? Par la reine Esther. Toi, tu regardes quoi aujourd'hui? J'honore les bandes, j'honore les citations. Mais une révélation de tel Éphésien, je ne peux pas honorer cela. Tu es dans le déshonneur, le port du ciel te sont fermés même. Sans Satan, tu vas aller en enfer. Sans Satan. Mettez ça dans votre tête aujourd'hui.
Les gens vont aller en enfer. Pourquoi le péché va revenir après les mille ans du millénium? Comment ça va revenir? Satan ne serait pas là. Et puis Dieu va maudire. Comme Noé a maudit. Et ça va derrière Satan. Il y a déjà un maudit, sans moi il a été maudit. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite la malédiction? Il a posé un mauvais acte. Sans Satan, il pose un mauvais acte. Le jour-là, quand l'enfant est parti voir la vérité de son père, Satan n'était pas là. Si Satan t'en a dit, oh, c'est Satan qui m'a blagué. Oh. Sinon, il ne pourrait pas appeler les gens au dehors. Ce n'est pas pour coller le millénaire, mais c'est ça juste. Les demandes du diable n'existent plus sur la terre. Mais tu me les as déliés par la malédiction de Noé. Mais Noé a été choqué par quoi? Par l'absence de Satan, Noé a été choqué. Il y a des gens sur la terre, Satan ne serait pas là. Dieu sera choqué de les voir agir. Sans Satan. Mais ça part de, quoi? Il est parti voir son père. Au lieu de l'honorer, il a déshonoré. Il avait sa nudité. Au lieu de fermer ses yeux après, et puis campagne pour aller fermer, ça c'est l'honneur, il allait donner. Le péché a été délié par le déshonneur. Vous pensez que le déshonneur c'est quoi? C'est pas Satan qui fait ça, c'est ton toi-même qui fait ça, librement. Et ça délie Satan dans ta vie. Dieu dit, voici la porte. Ah! C'est un déshonorant, c'est une déshonorante. Ferme toutes ces portes, ouvre les voies de l'enfer pour lui. Et la porte commence à se fermer. Tu dis c'est Satan, mais c'est toi-même qui t'honore, qui t'honore, qui t'honore. Si Jésus lui-même a fait sa naissance, vous pouvez être reconnaissant. Parce que tu m'as aidé à arriver, qu'en est-il de toi? Toi, tu es un grand don. Ou bien tu es une grande donne. Hein, tu ne savais pas mentir quoi? Un grand don. La partie la plus cruciale de la vie que tu n'as jamais su, c'est le déshonneur que tu peux faire à une autorité que tu as mis sur la terre. Tout le port de l'enfer tout pour toi. Au bout de l'acte, tu reviens avec Siméon. Merci Siméon. Siméon est content. Vous avez me rendre visite dans le temple ici. Je bénis l'enfant. Je peux partir en paix. On rend visite encore à Anne. On dit ok, tu as été reconnaissant de ma souffrance. Il pouvait rester là-bas, mais il est venu vers moi. Ok, voici mes paroles de bénédiction sur l'enfant. Jésus lui-même a besoin des paroles de l'homme. Et c'est toi qui veux élever un ministère. Tu veux te développer dans la vie. L'homme n'est rien pour toi. Même pas accuser Satan d'aimer. Si je vous ai dit ici que Dieu venait son armée, il descendait et il m'a vu, n'a pas qu'il m'a vu même, ils sont venus vers moi, ils ont sans tuer telle personne. Pour aller le faire, ils sont venus d'abord me parler. Amen. Sois à l'aise de ton côté. Mais si jamais c'est Dieu, et que Dieu pour poser un acte, il vient m'informer d'abord, toi qui déshonores cette personne-là. Amen. Une personne qui est dans le message, tout le monde reconnaît que c'est lui qui envoie la parole à un niveau où personne ne peut atteindre actuellement. Amen, amen, amen. Où je dis bien, personne ne peut atteindre actuellement. Amen. Et tu le déshonores comme tu veux. Thank you.
l'église, le pasteur. Père, le premier bonhomme dit, vos vrais parents, c'est votre pasteur. Vos vrais parents. Père, vos premiers parents, ils vous ont mis pour aller en enfer. Ils ont mis au monde pour aller en enfer. Vos vrais parents, ils vous ont au monde pour que vous allez au ciel. Salut votre vrai parent. Le pasteur est votre vrai parent. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils sont plus importants. Ils ne croient même pas le message. Toi, mets ça devant eux, ils vont se comporter comme des canards. Nous, on va couler sur eux, mais ça n'avance pas. Alors, quand tu te lèves au temps de la vie, les gens seront rebelles à leurs parents, seront rebelles à leurs pasteurs. Alors, toi, il ne faut pas prendre ce chemin. Prends le chemin de l'honneur. Le temps d'en souffrir, le temps qui sont fermés avant d'en souffrir après, tout va marcher sur toi, tout ce que tu ne veux pas, tu vas avancer, parce qu'il y a un bonheur qui t'accompagne. Quand tu vois la réussite sur quelqu'un, faut pas le haïr. Donne-lui l'honneur, pour personne réussir. Certainement, c'est à cause de son travail. Il travaille beaucoup, il fait beaucoup fermement, il ne dort pas. C'est pour cela qu'il est ici. Donne-lui l'honneur. Au lieu de lui coller la disgrâce, de lui coller le déshonneur. Alors Satan a arrivé à descendre sa politique dans le message, montrant à tout le monde qu'on est même chose. Chacun peut croire ce qu'il veut. Il n'a qu'à écouter seulement les bandes. On est tous les mêmes choses. Mais ils ont tout dit aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une politique. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes dans une royauté. Où quelqu'un parle et puis les autres font. Tu peux honorer cela. Ou tu peux croire cela. Que nous avons passé tout ce moment-là avec les eunuques. Mais la dynastie du roi a commencé depuis Dana jusqu'aujourd'hui. C'est la dynastie. Le fils apprend. Tu dois avoir les yeux, le discernement pour connaître l'autorité. Et cette autorité-là, tu dois donner tout l'honneur que tu peux lui donner. Voilà, tu as pris dans ta vie la situation que tu as fait quelque part. Dans le déshonneur que tu as fait quelque part. Tu dois réparer cela. Avant de te mettre à genoux pour prier, Jésus dit, ce que tu as fait à quelqu'un là-bas, va lui demander d'abord pardon. Va l'honorer d'abord. Va l'élever sur toi. Là, quand tu vas prier, je vais entendre. Mais si tu pries que j'entends, même si je parle, la personne va bloquer ça. Par exemple, si Satan bloque les bénédictions des hommes, la Bible dit Satan nous accuse devant Dieu. Pour accuser quelqu'un, il a des éléments pour t'accuser. Et c'est pas ce que tu demandes, Dieu ne peut pas faire. Parce que Satan bloque ça. Il y a des hommes qui restent aussi comme ça. Des autorités. Que devant Dieu, qu'ils ont des qui ont déjà monté telle image à Dieu. Voyez comment cette personne a été. Toutes tes prières vont monter, Dieu va regarder l'image que l'autorité lui a montée de toi. L'image va changer. Voilà pourquoi Jésus dit avant de me demander. Va demander pardon à ceux que tu as offensés. Ce n'est pas moi, Jésus, qui a le problème. C'est les gens sur la terre que tu ne considères pas. C'est eux qui sont le problème. L'homme que tu ne considères pas là, va t'humilier en bas de lui. Il ne faut pas t'humilier devant moi. Ça ne suffit pas. Je m'humilie devant ton âme seulement. Ton âme là, il est au ciel. Tu ne vois pas. C'est comme le même Jésus que tu humilies. Avant que tu vas croire en moi, Branham a
Parce que tu crois à un de mes enfants. Parce que tu crois à un Éphésien. Avant de venir dire que tu crois le message, crois d'abord un ministère Éphésien. C'est ce que Banan va te dire. Comme Jésus a dit. Avant de venir privater de nous, pour prier, va demander pardon à un homme. Qu'est-ce que vous pensez? Avant de dire que je crois le message de Branham, quand je suis sur la terre, avant de croire le message de Branham, est-ce que tu crois à quelqu'un qui est sur la terre? Est-ce que tu crois à son ministère à lui? Tu dois croire ça d'abord. Une autorité terrestre. Une reconnaissance, Jean-Baptiste n'a pas souffert pour rien. Voici l'homme, c'est pourquoi tu as souffert. Je suis reconnaissant. Je vois comment depuis 9 ans, tu es sorti. Voici ce que tu es devenu. Moi-même, Jésus ne serait plus mieux que toi-même. Et moi, j'ai vécu en ville. Je même j'ai vécu en ville. Donc, Jean-Baptiste, je viens vers toi. Je suis reconnaissant. Il va me mettre en genoux devant toi, tu as me baptisé. Quand j'ai baptisé sa vie, il ça. La vie qui n'a pas souffert pour rien. Tu as éclaté sa joie en même temps. D'avoir vu son fils s'humilier devant une autorité terrestre, un homme. L'homme que tu dis n'est rien. Amen. Tu as mis tout sous ses pieds. Amen. Même le ministère de Jésus était sous les pieds de Jean-Baptiste. Amen. Jésus devait venir chercher ça. Dans l'humilité, en bas du pied de Jean-Baptiste. Amen. L'homme n'est rien, on est tous d'accord. Mais tu as tout mis sous ses pieds. Tu veux réussir demain, tu veux avoir du travail, tu veux prospérer, tu veux avancer, j'ai l'honneur. Alors allez dire, tu as l'honneur à qui? Tu donnes l'honneur à qui? Tu donnes l'honneur seulement à Dieu? Moi je n'ai pas fait à l'homme, j'ai affaire à Dieu, ok. Dieu va te ramener à l'homme un jour. Amen, amen. Alors comment t'as pris dans ta vie? La parole de Jésus te rattrape aujourd'hui. Tout ce que tu as offensé va leur demander pardon. Ce que tu as déshonoré va leur demander pardon. C'est ça le mystère de la vie. Prions ensemble. Père, nous voulons être comme Esther. La reine Vashti n'a pas vu la grandeur de son mari. Les femmes à la maison ne voient pas la grandeur de leur mari. Ton mari est président de la République, mais c'est toi qui lui manque de respect à la maison. Une Vashti, pas même polie. Ton mari est directeur de société. C'est toi à la maison, tu fais les batailles d'esprit avec lui. Tu te vois plus intelligent que lui. Tu vas montrer que c'est pas toi qui vas te montrer si quelqu'un va t'apprécier. Ça se passe dans le foyer, ça se passe à tous les niveaux. Même dans la ville, même à l'école, même partout. Quand tu vois quelqu'un qui réussit, au lieu de dire je peux faire plus que lui, va à ses pieds. Tu dis je vais apprendre avec toi. Tu es plus grand que moi. Je vais apprendre avec toi. Tu vois un serviteur de Dieu qui a quelque chose que tu n'as pas. Tu n'as pas dit qu'il a fait mieux que lui. Parce que tu ne feras rien même. Tu ne feras même pas son orteil. Si tu veux faire mieux que lui, va à ses pieds. Humilie-toi. C'est en ce moment-là que Dieu va t'élever. Donne l'honneur à ceux que tu dois donner honneur. La grâce, l'immortalité,
pas recherché. Si tu prends le nerf aujourd'hui, tu vas évoluer à l'immortalité.